Salut à tous, on est sur Pokémon Verfeuille, c'est Spinap. Sans doute pour l'épisode final, on perd pas de temps. On devait affronter le boss de la dernière arène. Donc c'est chose faite. Donc tu as encore tout fait rater, je suis furieux. Donc vous voyez que c'est un petit peu le passé de Giovanni, hein, le boss de la Team Rocket. Donc joli clin d'œil, hein. C'était lui depuis le début qui était le chef de cette arène. Donc j'ai capturé Magmar. Pendant tout le jeu, je disais que c'était Magma, mais c'était Magmar avec un R à la fin. Et ensuite, bon, on part pour la ligue, hein, on va pas perdre de temps. Alors, je sais pas si le feu est efficace contre lui, mais vous voyez qu'il faut absolument que je monte le niveau de mes Pokémon. Je pense pas que ce soit efficace, hein, chauffer la pierre. Pourtant, j'ai un niveau en dessous de lui. Oh, du séisme sur du feu, ça devrait rien faire, ça. Ah d'accord, ok, le séisme sur le feu est efficace. Donc, la dernière partie commence très bien, Magma est déjà mort. Qui va déjà pas monter de niveau, bah, je vais vous démonter avec, avec Léviator. On va essayer de monter le niveau de Léviator. Donc je pense que je... Dans ma toute première partie, enfin ma première partie sur Pokémon bleu et rouge, j'avais pas un niveau aussi bas, hein, au niveau de mes Pokémon. Donc, à mon avis, on va se faire dégommer à la ligue. Mais on va quand même essayer, je pense qu'avec un peu de... d'objets de soins, de techniques, on devrait pouvoir s'en sortir. En tout cas, je pense. On va pas s'enflammer non plus, mais on va tenter. Ok, le mec n'a que des rhinocornes, a priori. Logique. Ah oui, niveau 50, ça déconne pas. Hein. Alors, la ligue, je sais plus trop quel niveau ils ont. Je me demande s'ils ont pas des niveaux 60. Tu vois, 20 niveaux de retard, à mon avis, on va morfler. On va essayer de se la jouer technique. Je pense pas que le niveau des Pokémon fasse tout. Hein. Si tu utilises vraiment le point faible du Pokémon d'en face, il y a moyen de s'en sortir. Sauf qu'évidemment, tu peux pas voir le point faible de tous tes adversaires. Hein. Là, j'ai pas de Pokémon électrique, par exemple. Je sais pas si le... Pourtant, on va faire Hydro-Canon. Ça me fera rien, ça. Ce serait bien que Léviator prenne au moins un petit niveau pour... Ouais, c'est efficace. Pour ce combat. Et après, bah, Magmar, je pense qu'il fera plus de la figuration. Colossin, j'ai nul à Yesh. Mais vraiment nul à Yesh, hein. Je m'attendais pas à ce point-là. Le mec, il ne sert à rien. Faut pas oublier que je dois avoir quelques super bonbons aussi. Ce qui va me permettre de monter quelques niveaux. Donc voilà, en magouillant un peu, je pense que ça peut le faire. Il est pas mort, l'enfoiré. Paralysé par un plaquage. Ah d'accord. Mais non, il commence à tricher le bâtard. Voilà, comme par hasard. Non, je n'utiliserai pas un antipara. Il est hors de question. Donc, j'espère que vous allez bien. Que vous êtes ravis de retrouver votre jeu Pokémon préféré. Oh putain, tu fais chier Léviator. Il va me buter. Ah bah c'est mort, à moins qu'il foire son attaque, c'est mort. Tant pis. Bute-moi, t'auras pas les points au moins. Il n'y aura pas un partage de points. On va lancer... Bah but bizarre, j'ai pas envie, il est déjà niveau 51. Donc Kadabra, j'ai cherché en fait, pour l'évolution en fait, faut échanger le Pokémon avec quelqu'un. Donc c'est dans l'évolution, c'est bien à la Kazam, mais bon bah on l'aura pas dans cette partie hein, malheureusement. Je sais même pas comment on fait des échanges sur l'émulateur. Donc bah, ma foi, tant pis. Quand je vous dis que c'est une véritable merde Colossinge, toutes ses attaques sont ratées. Mais c'est constamment quoi, constamment. Et je suis sûr qu'il va même pas le buter. Tu vois? Putain! Et il fallait pas espérer qu'il reste en vie. Qu'il y a un niveau le plus bas après, c'est au carnage. Je sais que Florizarre, il peut le péter facile. Mais c'est pas possible!
Tu vas arrêter avec ton hyper potion là. Et évidemment, ça fait aucun dégât ça sur lui. Mais si. Bon, séisme, normalement, on est bon. Ça fera pas de dégâts. C'est un oiseau, donc faut pas déconner. Faut quand même rester un minimum logique. Ok, donc le machin est empoisonné, tu sais pas pourquoi. Au 48 dans ta gueule, quand même. Hâte, je sais plus ce que c'est, ça. Bon, on s'en fout. Oui. J'ai commencé là un nouveau jeu dernièrement, Anigo King. À mon avis, il va être pas mal celui-là. Tu vois déjà comme je galère contre eux. Mais avant la ligue, je crois qu'il y a une grotte où il y aura peut-être quelques dresseurs. Il y aura peut-être moyen de monter encore quelques niveaux avant de se pointer là-bas. Je l'aurai pas en... Ouais, j'avais oublié le poison. Là, le but c'est de lui baisser un max de vie. Parce que je parie qu'il a encore une hyper potion, hein, le petit cochon. C'est un bon Pokémon, hein, au carnage. Vous voyez qu'on l'a dès le début, hein, c'est le premier, limite le premier Pokémon que tu croises dans les terres avec le Ratatak là. Et je pense que tu peux aller jusqu'au bout avec lui, hein, sans problème. Tu as gagné. Ouais, c'est le badge de terre. C'est marrant ça que ce soit le chef de la Team Rocket. J'avais bien aimé moi le clin d'œil là. Grâce au badge terre, tous les Pokémon obéiront à tes ordres. Tu pourras ainsi accéder à la Ligue Pokémon. C'est un cadeau que je te fais. Va maintenant et deviens le plus grand des dresseurs. C'est sympa ce qu'il dit. Ça va être le mania, je pense. Ah non, séisme. Ah, il a carrément inventé le mec. Alors, on va prendre les trucs là, ça ira plus vite. Et boum, on part à la ligue, on perd pas de temps. J'aurais gagné deux niveaux pendant ce combat. Encore que non, j'ai eu un niveau avec Léviator, je sais plus. Je ne sais plus du tout. Ah oui, je veux que tu m'occupes. D'autre chose, mais tu peux t'occuper de mes Pokémon aussi. Merci d'avoir attendu, ils sont en super forme, à bientôt. Merci à toi. Donc là, je pense pas jouer trop longtemps. Peut-être que moi je le ferai en deux parties, hein. Vous ne verrez pas de différence, mais c'était pas au-dessus. Allez, c'est parti. Tu es là aussi, comme ça tu vas à la ligue, tu as tous les badges aussi, c'est bien. Bon, je vais m'occuper vite fait de toi, ça me fera un échauffement avant la ligue Pokémon, allez, viens te battre. Ah bah parfait. Ça c'est impeccable pour monter de niveau. Allez le Super Saiyan. Bon carnage. Qu'est-ce qu'il est stylé, putain. Vraiment, vraiment stylé. Je pense pas que ce soit mon point faible. J'ai 6 niveaux de retard quand même. Il va me puter. Moi, il brûle. Si je pouvais faire un critique, j'ai vraiment pas de bol. Ça suffira pas pour le tuer. Est-ce qu'on peut pas prendre un truc de soin là, histoire de d'essayer de le faire monter d'un niveau, parce que bon, c'est compliqué là. J'ai 3 super bonbons, ça il faut retenir. Et je me... Pff, ouais, peut-être... Ouais. Mais non ! Ah, l'enfoiré ! L'enfoiré de sa race. Ouais, c'est bien joué de sa part. Hein. Il me l'a viré avant que je l'achève. Ah, est-ce qu'il va me buter, lui ? Pour la bélier, ça promet. Se blesse en frappant. Il va mourir, alors. Bien joué, Magmar. 1300, bon.
Oula, on va absolument changer. Donc contre l'eau, ben c'est. Ouais non, c'est l'éclair. On va utiliser Kadabra. Kadabra, ce sera un peu mon fourre-tout pendant la ligue. Il sera là dès que j'aurai pas le point faible de l'ennemi, hein, tout simplement. Ah, j'ai déjà la trouille. Psycho. Bon, j'ai quand même 3 niveaux de plus. Il y a moins de lui enlever au moins la moitié, même pas. Logiquement, l'eau n'est pas son point faible. T'as vu les dégâts qu'il fait, le Léviator ? Il m'a enlevé plus de la moitié. Hein. Parfait. J'ai de la chance là. Pourvu que ce soit pareil contre la Ligue. Mais je vous l'ai dit, il y a peut-être moins de choper encore quelques niveaux. De monter en puissance. Là, on rechoppe Magmar. Il va pouvoir se le terminer. Par contre, si j'attaque pas en premier, c'est mort. Ah, il va peut-être crever. Bah voilà. Merci. Alakazam, le point faible d'Alakazam. Je sais pas trop en fait les Pokémon Psy. Je sais pas ce qui pourrait être son point faible. Donc on va envoyer le Léviator. Parce qu'on a vu là à l'instant que c'était pas le point faible de... du Serpent des Mers. Ben, lui il l'a eu Alakazam l'enfoiré. Alors ben, moi je finirai le jeu avec mon Kadabra. Kadabra. On envoie Hydrocanon. Planitude, c'est quoi ça? Attaque. Ok, donc le mec il a tout qui augmente quoi. Bien joué Léviator. J'adore quand tu foires ton attaque. Je pense pas que ça fasse des gros dégâts. Ouais, ça fait que dalle. On va essayer force. C'est pas grave, je ne comptais plus l'utiliser. Voilà. Ah, je vais peut-être monter au niveau 43. Si je pouvais être au moins à 45 minimum pour tous mes Pokémon, je pense qu'on aurait une chance. 9. On va essayer Colossinge. Faut bien qu'il serve de temps en temps à quelque chose aussi. Et dernier, bah, ce sera son Dracaufeu. On va péter en un coup avec... Léviator. Parfait. C'est pas grave, c'est pas efficace. Oh putain, il va me le paralyser sur coup. C'est bizarre, il envoie pas de potion lui. Oh. C'est pas du tout ce que ça vaut ce truc là. Lance-soleil. T'es désespérant Colossinge. Je te jure t'es désespérant. Et là tu vas me dire que t'es paralysé. Voilà. Je le savais, putain, je le savais. Il est tellement nul, Colossinge, il est tellement nul. C'est the point faible de l'équipe. Hein. Y'a vraiment pas photo. Un magma va le buter. Il est pas mal hein, vous voyez, au niveau du design là, ces espèces d'oreilles là sur la tête, c'est des flammes quoi au final. Évidemment que je change. Il ne pourra rien contre Léviator. Il lui reste combien de vie Léviator? Bon bah, il est fou en plus. Je crois que l'intimidation va aller des deux côtés. Même pas. Ça me fera que dalle. C'est pas efficace du tout. Ça m'enlève quand même pas mal de dégâts. Alors est-ce que je le one-shot alors que j'ai 10 niveaux de retard? Non. Ça devrait le faire.
Lui aussi, hein, le sprite est vraiment génial. Malheureusement, pas de montée de niveau. Hein. Bah, tu pensais juste à autre chose. Tant pis pour toi. C'était un bon échange. Je suis prêt pour la Ligue Pokémon. Il faut vraiment que tu t'entraînes plus. Mais je crois que tu commences à le savoir. Ciao. Le mec, je le pète à chaque fois. T'as l'arrogance du mec, j'adore. C'est le Vegeta du jeu. Le gros feignant qui utilise Val alors que ça a deux pas. Mais je sentais que j'allais me taper des ennemis dans les herbes. Bon, j'aurais gagné là juste un point, non, je sais plus, pour l'Eviator. Je crois que c'est tout. Hein. Peut-être Kadabra aussi. J'ai tellement pas de mémoire que je ne me rappelle plus. Allez. Cette fois-ci, on y va. Plus rien ne m'arrêtera. Ouais, donc comme je disais, je crois qu'il y a une grotte, je crois qu'il y a encore un truc à faire avant. Ok, donc ils vont me demander tous les badges. Ça, je m'en rappelle plus trop, je vous l'avoue. T'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut. Prisme, je sais même plus lequel c'est celui-là. Est-ce qu'on peut taper des Pokémon là-dedans? Badge âme, ok. Alors je sais pas combien j'en ai déjà présenté, c'était peut-être le dernier ou l'avant-dernier là. L'avant-dernier peut-être. Je crois que c'est pas des trucs de planqué, hein, sait-on jamais. Putain, il y a encore des Pokémon ici. Tout ça pour un Sabelette niveau 32, c'est pas trop mal. Hein. Volcan. Ah, c'est peut-être l'avant-dernier alors. Bon, je fouille pas trop, hein. Il y a peut-être des objets aux alentours, mais... Voilà, donc c'est la fameuse grotte, la route victoire. J'avais un petit souvenir de ça. Par contre, on va prendre les repousses, là, parce que... Ça, je vous avoue que j'ai plus la foi. Hein. Max repousse, un truc comme ça. Moi, j'en ai 40, on est tellement bien. C'est quoi ces trucs blancs là? Je sais pas. On va juste voir, ouais. C'est ce qu'on va faire. Oui, allez, c'est bon, on a compris. Je vais voir ce truc blanc, ouais, ça peut nous permettre de... Au-delà du niveau 41 alors. Ah oui, quand même. Je veux juste voir combien j'ai de points si je le bute. Je sais pas si c'est son point faible par contre. Pas du tout. Allez, si tu pouvais le buter. Ah, impeccable. Ça me donne combien? Un petit 100 ce serait... 700. Ça va. Donc je veux dire, est-ce que le truc blanc là-bas, il faut envoyer des... Alors attends, comment on peut faire? Il faut bien que je l'envoie au bout. Voilà, est-ce que ça fait quel... Putain, mais je... Allez, franchement. Franchement, gros. Thank you.
c'est vraiment pas possible. Il faudrait que je capture les Pokémon là. Ils sont plus hauts que les miens en fait. Oh, Sferalto, il est trop chiant. Mais on passe comment là? C'est pas vrai. Un Onix niveau 46. Parce que là, si je pousse, bah ça va contre le mur, donc je suis baisé. Okay, on va refaire ça. Oui, oui, allez, c'est bien. Bon, écoutez, je crois qu'on va mettre Bulbizarre en numéro 1 parce que là, c'est pas possible. Ah ben, au moins on sera peinard là, le temps de trouver ce qu'il faut faire. Le niveau 51, donc logiquement, il n'y a personne qui va m'emmerder. Voilà. On va voir comment on voit virer le truc au milieu là. Ouais voilà, le truc disparaît. Je m'en doutais. Alors attends, est-ce que c'est un combat ça? Parce que si c'est un combat, on va remettre Magmar. Parce qu'il faut vraiment qu'il augmente celui-là. Parce que le Pokémon Feu, il va m'aider. C'est pas vrai, j'ai même pas le temps de faire un pas. Ouais, enfin, c'est que des Pokémon genre pierre, des trucs comme ça. Aussi balèze que moi, bah écoute, on va voir ça tout de suite. Bon, j'espère qu'elle a pas des Pokémon qui traînent dans la grotte. Allez, Bulma. Persian. Un bon gros château. Alors, ça va, j'ai juste un niveau de retard. Elle m'envoie de la thune, ok. Plus de pièces. Sinon, je crois que j'ai la CT de déflagration, non? Ça y est, il va commencer à me casser les couilles. On va faire éclatroc. Je sais pas quoi faire d'autre. Ok, super. En plus, c'est un coup critique. Ah, c'est quoi ce que t'as? Zénith, je sais pas ce que c'est. Ça ne fera rien. Attends, il est blessé par Danse Flamme. Je suis pas fou là. C'est ahurissant ce jeu. Ahurissant. Pourquoi? Le noir ne peut pas être changé. Moi de ce jeu là. Bon, le combat des infirmes là. Je ne peux pas l'attaquer. On ne sait pas ce que c'est. Ok, je ne peux pas non plus. Donc j'ai mon Magmar qui va déjà crever. Mais c'est quoi ça? Les rayons du soleil sont forts. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je pense que je peux changer, non, c'est ça? Qu'il est libéré, je sais pas quoi là. Allez, on va arrêter les conneries. Et je vais te péter en un coup, mon gars. Déjà, tu flippes. Et je peux t'assurer que ça va chier.
intense flamme de nerf. On s'en fout. Ok. Le truc du soleil s'affaiblisse là. Allez, ça dégage. Elle dégage loin là avec ma vague. Okay. Il est même pas mort. Et ça sent la folie. Ça craint vraiment hein, pour la ligue, je veux pas... Je suis né mais... Oh putain, hyper potion. Et on recommence tout depuis le début. C'est compliqué hein. Balance-moi l'hydrocanon. Franchement ça pue là, moi j'arrive à rien, il me refait sa danse flamme. En fait Fenard est juste excellent comme Pokémon. Ouais voilà, j'ai pas de chance du tout. Il y a tout qui m'inflige des dégâts. Il me refait son lance-flamme. Je pourrais ne pas mourir là. Par contre, faut vraiment que. Voilà, là je l'ai buté. Très très bon Pokémon ce Fenard. Les Pokémon Feu sont assez cheatés comme dans le jeu. Cet abruti de magma a monté d'un niveau. Persian, c'est qui celui-là encore? C'est encore le chat là. Vas-y, on va voir le colossinge. Ah, j'en ai que buté un. Oh la vache. J'ai dû avoir un coup critique pour le buter. Ça fait peur. 300. Ponyta, oui, on reprend Léviator. Qui est quasiment mort. De toute façon, s'il attaque en premier, c'est fini. Donc là, peut-être que je vais le buter. Ah, c'est Ponyta. Voilà, merci. Un peu de chance tout de même, s'il vous plaît. Il fait flipper. Voilà, c'est fini. Ouais, mais moi j'ai Kadabra, mon gars. Et ouais. Pokémon a tout faire, mon gars. Tu peux me le faire ton écrasement, j'en ai rien à foutre. Tu es mort. Par contre, j'ai quasiment perdu la moitié de ma vie. Hein. Vous imaginez quand même? C'était juste une attaque physique. Je sais pas qui c'est, donc on reste avec Kadabra. Ah, c'était le tout premier premier level. Allez, ça dégage. Ah bah, chance, le Kadabra, il peut choper le niveau 50 dans la grotte. Il y a des trucs à aller récupérer là-bas. On fait juste ça et je vais juste me soigner un petit peu. Au pire, on ira racheter des trucs avant la. La Ligue Pokémon.
C'est rappel, non? Ouais. Allez, c'est cool. C'est cool, Raoul. Super potion. Allez. Ah merde. C'est vrai que le truc ne fait plus effet. C'était quoi, repousse max, hein? Ouais, max repousse. Alors attends, que je réfléchisse. Ah, je vais devoir sortir de la salle pour... Si, j'ai pas le choix. Super bonbon. Nickel, ça. Attends, je vais faire le combat, là, tant qu'à faire. Allez. T'as l'air de savoir te battre, je vais en avoir le cœur net. Bah, je vais te montrer ça tout de suite, mon petit. Mon petit garçon. Oh, il est mignon. C'est Trunk. Oh là là, le ratatac. C'est mignon, ça. Florizarre, pareil, il offre. Niveau apprentissage de compétences, c'est pas terrible. Hein. J'ai toujours le tranchard de base en attaque de plantes. C'est quoi ces conneries? Il va nouveau attaquer. Voilà. Au fatal. Et la moindre attaque, ce que ça me fait, c'est dingue. C'est fou. Reptincelle, évidemment que je vais changer de Pokémon. Léviator va me montrer ce que tu vaux. Heureusement que j'ai ça, mais il va me le faire aussi. Putain, je sais pas si c'est la bonne attaque. Putain, j'en ai marre. Voilà, le surf qui fait plaisir. Allez, ça dégage. Un petit niveau. Un petit 200, non? 2000? 200 seulement. C'est pas hyper bizarre. Oui, Magmar. Le feu, le point faible des plantes. Ce qui est totalement logique pour une fois. Logiquement, c'est out. Hein. Voilà, merci. 1500. 2. Carabaf, oui. Par contre, là, il me faut de l'électrique. Électrique, j'ai pas. On va prendre. Je sais pas. On va tenter Flore. Bah si, l'herbe sur le... sur l'eau aussi, c'est bon. Je crois. Hein. Bah, je me demande qui va être son dernier Pokémon. Il a tous les starters, lui. En niveau 2. En évolution 2. Ouais, parfait. Ça sent le niveau 52. Perfecto. Allez, apprends-moi à avoir un bon petit truc, là. Tu veux toujours pas? Ah oui, il a un drac au feu, lui. Ok. Léviator, hein, pas le choix. Il va être niveau combien, son drac au feu? Je suis 43 et lui? J'ai un niveau de plus. Il a des bons Pokémon, hein. Est-ce que je le bute? Je pense pas. C'est drac au feu. Avec un niveau de plus, je pense que je l'avais. Ok, donc je vais puis voir clair. Je ne pourrais pas attaquer. Salopard. Allez, si je peux faire un coup critique. Non.
feras rien, mon petit. Et moi, je vais monter au niveau 44 suite à ce combat. Beaucoup de dégâts, quand même. Tourne. Je veux l'autre Pokéball, on sait jamais si c'est un super bonbon aussi. Ça m'en ferait. Donc là j'en ai 4 hein, si j'ai pas de bêtises. Allez, file-moi un autre super bonbon. CT, on s'en fout ça, on s'en fout des CT, nous on n'a pas besoin de ça. On est où là? Alors attends, si, faut que je passe vers le bas. Tac, comme ça, tac, 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 on y est. Juste on avait quoi là? Oh, putain. Mais non, non, c'est bien, on va pas se plaindre. L'épreuve finale de tout dresseur. C'est même pas une route. Une route, si, c'est une grotte. Karateka, Match Chopper. Alors je sais plus si l'herbe est leur point faible ou pas. On va lancer un tranchard juste pour voir. Ou qu'on retienne ça pour la ligue. Ouais, c'est pas trop mal. Ok, là je le bute. Peut-être psycho contre eux. Oui. Et on va prendre Kadabra. Je voudrais qu'il ait aussi son niveau 50. Déjà que sa barre de vie est ridicule. Hein. Moi, ça 102 seulement. Enfin, je pense qu'il aura les trois versions hein, de ce Pokémon. Il aura les trois évolutions. Pas celui de base et les deux évolutions. Pour les pinailleux d'entre vous. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai commencé un nouveau jeu. Ouais, c'était couru d'avance. C'est la première fois que je m'endors manette en main. J'étais crevé hier soir, soit. Mais je me suis carrément endormi avec la manette. Je me suis réveillé peut-être une heure plus tard. J'avais encore la manette en équilibre dans mes mains comme ça. J'ai ouvert un œil et je me suis rendormi. C'est un truc de malade. Je sais pas si je vais vous donner le nom du jeu, parce que certains vont crier au scandale. Oui, c'est pas possible, tu t'en mords devant ce chef-d'œuvre, c'est n'importe quoi. Bah, c'est Shenmue. J'ai jamais vraiment fini Shenmue. Donc je me suis dit, je vais me le faire. Compilation PS4. Hein. Et putain de merde, qu'est-ce que c'est chiant. Tempête de sable. Alors comme ça je cherche à défier le conseil des 4. À défier le conseil 4. Ouais, il manque le D. Conseil des 4. Oula, alors on est là. Là on est dans du psy. Et les psy, je ne sais plus ce que c'est leur point faible. Peut-être les Pokémon électriques. On va voir si Florizarre. Le mec il fait du yoga. C'est quoi l'attaque? Allez, de toute façon tu vas crever au prochain coup. Je ne louperai pas mon attaque. J'ai quand même un peu flippé, hein, je vous le cache pas. Mais donc chez nous, my god quoi. Bon, on va essayer Magma, on sait jamais. Ouais, donc c'est une sorte de jeu d'enquête comme ça où tu fais que d'aller parler à des PNJ. Je sais pas si ça va évoluer au fil du temps, mais pour le moment, bah ça vole pas haut. Ça même pas haut du tout. Faut que je apprenne notre déflagration. Parce que ça va pas, ça, sinon. Je pense que lance-flamme est plus puissant que point de feu.
Bon, c'est vrai, il fait tout le temps la même chose. Ce que j'ai mon déflagration, c'était que j'avais gagné en butant un chef d'arène. Hein, si je ne me méprends pas. Nomade et KO, Magmar a gagné 1400. Okay. Kadabra. Garde Magmar. Jongleur Nelson. Ah, il n'y en a que 16 des. Copie corps ardent du Magmar. Pas mal. Pas mal du tout là ce que ça lui fait. Pourtant c'est toujours un Pokémon psy, hein, c'est vraiment bizarre. Encore du Kadabra. Moi ça me va, hein. Je vais monter au niveau 43 du coup. Pourquoi Magmar? Tout simplement parce que je me rappelle de l'épisode série télé, c'est tout. Tu vas pas me buter avec un psycho. C'est l'eau mon point faible, même si tu m'enlèves vraiment beaucoup de vie là. Allez, j'ai 66. Non, j'ai 116 de vie. Ah putain, ça coûte plus 2 seulement. Alors attends, je vais juste voir le déflagration là. Alors c'était. Déflagration, déflagration. Lance-soleil. Je pense que c'est pas ça l'attaque spéciale de Bulby. Ouais, c'est celui-là. On va le donner à Magmar. Ah, le Léviator aussi, mais ça n'a aucun sens. On va oublier quoi, le truc de merde qu'on a vu tout à l'heure, là, le Zénith. 1, 2, 3, tadam. Mais bon, voilà, à mon avis, il l'apprenait tout seul, hein, mais au moins, j'aurais pris un peu d'avance. Allez, viens, viens manger ta claque, l'autre me dit. Calme-toi, mon gars. Avec ta glace ou ta sucette, là. On va faire ouais, trancher, tout simplement. Oh, il a loupé son trancher. Ça arrive pas souvent. Ouais, je sais pas ce que je vais faire avec le Colossinge, hein, qui est pas foutu de buter un seul Pokémon. Il va falloir évoluer tout ça. Analyser, évoluer. Mais bon, c'est mon Pokémon préféré. J'ai quand même envie de l'utiliser jusqu'au bout. C'est quand même dommage de le mettre à la poubelle. T'aurais pas pu faire un coup critique tout à l'heure? Aquacouac. C'est quoi? C'est du psy? Qu'est-ce qui est bon contre les psys? Le vent, je sais pas, vol. On va tenter le cruel, hein. Je sais pas si ça va être efficace ou pas. Moyen. Est-ce que je le bute là? En deux coups, il va rester 1 mm. Ouais, je m'en doutais. C'est quoi? Défense, on s'en fout. Voilà, c'est fini. Pareil, il est pas loin du 50. Ça peut le faire, je pense. Et ouais, tu t'es pris une claque. Total soin, bah ça, on garde, hein, évidemment. Super bonbon. Grêle. Ok. Et bien sûr que je vais t'affronter, être trop dur pour toi, mais non. N'empêche, les mecs, ils squattent comme ça dans une grotte, ils bougent pas. Ils attendent. Monsieur Mime. J'ai toujours détesté ce Pokémon. Je le trouve ridicule.
dirait un vieux comme ça avec son klatz là, ses cheveux sur le côté. Jamais compris le délire avec celui-là. Il peut me tuer, je pense. Ouais, il m'a tué. Ah, c'est efficace. Le psy est efficace contre les plantes. Je m'y ferai jamais. Hein. Bon, ouais, j'ai plus mon bulbi là, ça va être compliqué. Est-ce que ça c'est efficace contre le feu? Ouf. Corps, le corps ardent là. Boum. Pas mal. J'ai perdu, non? Bah ouais, t'as perdu mon gars. Désolé hein. Désolé mais t'es nul hein. On va d'abord récupérer tous les trucs qui traînent. On voit qu'il faut faire disparaître ce truc là. Qui c'est qui est en numéro 1 là? C'est Magma? Ça tombe bien. Parce qu'on va faire un coup de surf. Est-ce que je le bute sans perdre de l'énergie ou pas? Parfait. Que 600, ouais. Je m'attendais à mieux. Ah ouais, donc comment... Comment allez-vous? Alors, je vais juste reprendre un max repousse. Je vais me reprendre un rappel. Hein. Je suis désolé. J'espère que ça ne va pas utiliser pour rien. Voilà, donc au moins l'autre est de nouveau là. Ouais, parce que moi, ouais, il me faut un caillou là pour. Ah, je capte pas trop le délire. C'est des roches, ça, ouais. T'es en monte, hein. Peut-être balancer ça dans un trou. Hein. Là, je fais tout, hein. Je suis désolé, je sais que c'est chiant pour vous. En tout cas, c'est moins chiant que chez Shenmue 1 déjà. Ça va, ça va, ça va. Alors c'est son point faible, hein, si je dis pas de bêtises. Si je fais ça. Si je fais ça, mec ton. Ça va pioncer. Pioncer. Et là, je suis pédard. Fermé tranchère. Hein. Je pense que deux suffiront. Ah merde, c'est un coup critique. Il pionce. Ah, il faut que je rade encore les trucs qu'il faut acheter là pour redonner les... On appelle ça les... Ça enlève vraiment que dalle. Hein. Pour remettre les attaques au taquet là. C'est mieux. C'est vraiment de la merde. Quoi, il pionce. On est putain de merde. Ah, ça rend ouf. Ça rend ouf, mon gars. Ah, monsieur se réveille. Bien ouais. Non, franchement, bien ouais. Bien joué. Donc c'est un psy. Peut-être, carnage, je dis bien peut-être que ça pourrait être efficace. À voir. Non. Enfin, c'est pas efficace contre moi en tout cas. Et pour lui, c'est super efficace. Donc j'ai roucarnage contre les Pokémon psy. Faut que je retienne ça. Crustabri. Faut le bulle bizarre, mais il est en train de pioncer.
Allez. On va essayer de croire au... au miracle. Ah, c'est peut-être son point faible, j'ai oublié. C'est... ça doit être un psy lui aussi, non? Ouais, psy. Folie. Okay. Bien sûr, il n'attaquera pas sa folie. Si. Ah bah non, monsieur rate son attaque. Hein. Pouf, il fait que ça, il fait que de rater ses attaques, putain. Oh là 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 là. Allez, ça dégage. Parfait, niveau 44. Vantardise, ça sert à quoi encore cette connerie là? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait dégager? Frappe Atlas, c'est vraiment de la merde. Électrode. Ah, les Pokémon électriques, c'est quoi le point faible? Je sais pas. Le feu, le vol, je sais pas. C'est ça que je maîtrise pas assez le jeu encore, mais c'est pas grave, on va pas tricher. Ouais, mais c'est celui qui va se faire exploser. Il n'a que 5 des déflagrations. C'est bon. Difficile hein, cette grotte, il y a du sacré level. Sablero, c'est les plantes hein, son point faible. Le tabruti pionce. On va le réveiller avec le, la flûte là. Top dresseur Georges. La flûte, on l'utilise comment ici? Parfait ça. Ça fait des dégâts ça, ça fait que dalle, ces météores. Par contre moi je pense que je le bute. Ouais, c'est très efficace, parfait. 4, Arcana. Là, pas de problème, on prend l'Eviator. Putain qu'il y a des problèmes de brûlure, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est la dernière évolution le Arcanor là? Arcanin pardon. Ouais si je crois. Il va me faire pareil, intimidation. Ouais normal. J'accepte. J'accepte. Ça c'est pas cool par contre. Alors si je peux lui faire un max de dégâts déjà. Ah. À un niveau près, je pense que je le butais. Bélier, ça peut me buter. Attends, il se blesse en frappant? J'aurais pu faire surf. Mais... c'était vrai. Je sais plus ce qu'il m'avait dit de base, donc... super bonbon. Rappel max, tout ça c'est bien ça. Surchauffe, on s'en bat les couilles de tous ces trucs. Un bon gros rocher, ça, hein?
contraire m'aurait étonné, tiens. Ah, le Léviator peut-être, non? Bien, on va prendre un anti-brûlure aussi pour lui. Attends. Je vais juste encore faire ça pour Magmar. Alors, anti-brûlure. Est-ce que j'en ai? Il est là. Voilà, comme ça on est peinard. Je vais juste encore mettre un coup de soin sur... Super bon, j'en ai 4. J'en ai 4. Ah, ça c'est cadeau. Ouais, j'ai envie de le buter parce qu'il m'énerve. Ok. J'essaie de réfléchir un petit peu. Je sais que c'est pas évident de réfléchir. J'avais oublié le max repousse. Repousse max, je sais plus. Max repousse. Non. Une basse retranusée qui monte la def. Juste que je vois le bout là, ok. Attends. Alors attends, ouais. Je crois que je l'ai pas pété en plus celle qui est sur le truc là, non? Je sais plus maintenant. Alors attends. Ah, j'ai pas le choix de toute façon. Tac. On repasse par ici. Tac. On lance le combat contre cette salope. Quel adversaire plus puissant. Je suis d'accord. Le but c'est d'affronter toujours plus fort. Oh la vache, 5 Pokémon de nouveau. Et en plus le Mélofée des Enfers. Là je crois que c'est Colossinge son point faible. Pokémon Cogneur. Force Cosmique. Pas mal l'attaque. Au niveau du design. S'en fout, tu vas crever. C'est terminé ma grande. Était niveau 60. Lamantine, je sais même pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, mec. On va prendre cet abruti là. C'est pas celui qui a un fond noir là, machin. Pas du tout. Faudrait tester Ventardis pour voir ce que c'est. En tout cas, c'est très efficace donc c'est parfait. Allez, un petit 1000 au moins. Voilà, 1005, c'est bien ça. Bon doudou, on va garder Colossinge. Ah merde! Vas-y, le coup de pied. Ah là, qu'il foire une faute sur deux. Placage, ça va. Mais vas-y, il est paralysé, mais... Mais putain, mais ce mec a tous les défauts, quoi. Ce Pokémon a tous les défauts du monde. Il sert à rien, le machin. Heureusement qu'il a un minimum de force de frappe, parce que putain... Persian, c'était quoi son point faible? Oh, je continue avec lui, je m'en fous. Le Cats. Vas-y, envoie-moi ta thune. Ouais, ok. Je suis toujours paralysé. Là, je suis mort. Voilà, merci Colossin. Merci d'être passé. C'est très gentil.
J'ai une nouvelle fois été très efficace. Ah, j'ai plus beaucoup d'attaques là en fait. Ah, il semblait que dès que j'utilisais point de feu, le Pokémon brûlait, mais non, pas forcément. Sans, je pense pas que j'aurais buté avec lance-flamme. C'est pas grave. Le Vénard, pareil, je sais plus qui c'est. C'est pas un psy, le Vénard ? En tout cas, il ressemble à rien. J'ai envie de lui brûler le cul. Dire un alien, le truc. Allez, brûle. Tiens, éclate rock. Ça bug un peu, hein. Ça, c'est efficace. C'est une attaque de quel type, éclate rock? Putain, heureusement. Et en plus, il brûle. C'est type combat. Colossin, j'aurais pu le... Putain, guérison, taraz. Commencer. Faut pas qu'il m'endorme, c'est tout. Ok, c'est parfait. Donc faut retenir qu'il a une attaque combat, le père Magmar là. Parfait, 44. Au moins lui il monte. Hein. Ouais, Colossin, faudrait que je le soigne, mais bon, il est tellement pourri, gros. Ah, ok, donc c'est bien ça ce qu'il faut faire. Déjà. Heureusement que je les ai ces trucs là parce que s'il fallait se taper tous les combats à chaque fois, on aurait pas fini. Hein. Allez. Seuls les élus peuvent passer. Ça en fait des combats, je suis désolé. Hein. De toute façon, c'est comme ça depuis le début du let's play. Donc. Vous avez l'habitude. De nouveau 5. J'ai le bon Pokémon là pour démarrer. Florizarre. Je sais pas pourquoi l'herbe est bonne sur l'eau. Pareil, lui, je le trouve bien stylé graphiquement. Il vaut 53. Yep. Je sais pas ce que c'est, mais on s'en fout. Enfin, ça a des Pokémon plantes, donc on va garder Florizarre. Plus je pourrais le faire augmenter, mieux ce sera. Bah, c'est mon chef, hein. C'est le chef d'équipe en hein, final. C'était le premier Pokémon et il finira en tant que capitaine. Le chef de tribu, Florizarre. En Tentacruel, je suis pas sûr que ce soit un type flotte, mais. Il doit avoir deux genres. Oui. Mais lui, je vais pas le buter, vous allez voir. Tu vois. Plus j'ai fait un coup critique. Et je vais t'empoisonner. Non, même pas. Est-ce que coupe suffirait? Oh, mais tu me fais le poids à chaque fois. Ouais, donc raison de plus pour utiliser les objets de soins. Hein. C'est pas tricher. Bon, je vais plus avoir de tranchère, mais je sais même pas comment je vais finir cette grotte en fait. Il restait combien? J'appuie trop vite. 3 je crois, non? On va vite se prendre la tête. Là. Non, bah je garde, hein. Qu'est-ce que c'est son point faible. Et je crois que dans la ligue là des 4, je crois que la première à affronter, je suis quasiment sûr que c'est une femme. Je crois qu'elle a que des Pokémon haut. Ça sera Florizarre qui va ouvrir le bal. Tortank.
je pense qu'elle a un tort tank, hein, d'avoir un Léviator, bah, d'avoir les meilleurs. Stylé, hein. J'aime bien tort tank. Super potion. Ah, le truc de pluie là, tu comprends pas ce qui se passe. La pluie continue de tomber. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas à quoi ça sert. Mais en restant, on va se le garder. Voilà, coup critique, en plus j'ai eu du bol. 3000 au moins, non ? Oh, même pas 2000 ! Ça, c'est pas cool. 1548. En tout cas, je me fais aussi de nouveau pas mal de vues, parce que j'avais tout claqué dans les objets de soins. Pensant qu'on allait à la ligue, hein, évidemment. J'avais oublié qu'il y avait autant de combats dans cette grotte. Putain, pareil, de nouveau. Tout ça, ça va être pour Magmar. On va l'envoyer direct, d'ailleurs. On va pas perdre de temps. Bon, il a pas beaucoup d'énergie. Oh putain, ça commence bien. Point de feu. Est-ce qu'il est résistant à... Voilà. Bon, normalement, c'est du one shot. Hein. S'il te plaît. Ensuite c'est Boostiflore. Pareil, c'est ça, je vais le péter en main. On est toujours le paralysé là qui m'inquiète un peu, mais... Ah, il attaque quand même toujours en premier. Hein. Enculé, va. Non, j'utilise une potion. Faut pas déconner. Allez. Non, là, c'est l'adversaire parfait pour Magmar. Costaud, hein, cet enfoiré, là. Encore ? Il attaque deux fois de suite, là. C'est pas normal. Hein. Le siffleur, je sais pas si c'est du... Si, quand même. Ce sera la dernière évolution où j'y arriverai pas en un. Faut vraiment qu'on attaque tout de suite. Aïe 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 aïe. Il y a peut-être plus que des Ampiflore là. Parasect, donc un insecte. Je pense que c'est pareil, ça va être le feu son point faible. Lui, je l'aimais bien aussi, il me faisait rire. Une sorte de tortue, champignon, mélangé avec du crabe. Je pense pas que ce soit efficace. Ah, je me demande à quoi ça sert de me soigner. Oh, est-ce que c'est efficace ou pas? Ouais. Aïe. Paras, bah c'est la première évolution. Ah, c'est le Pokémon de base. Putain, et pourquoi il attaque tout le temps en premier là? Ça aussi c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est énervant, putain. Allez, t'as peur et en plus tu brûles. Crame un peu. Pareil, Dracora, je ne sais pas contre qui c'est efficace. J'ai l'impression que c'est moyen contre tout le monde. Ouais, donc contre chaque adversaire de la ligue, il va falloir que... Bah, que je re-soigne au taquet, quoi. On verra comment on procède au fur et à mesure. Tu es furieuse. C'est ballot ça.
Bon, à mon avis, elle est plus très longue, hein. Oula, heureusement que ça s'est pas lancé. Je vais refaire comme un rappel sur Magmar. Rappel Mag, j'en ai combien? J'en ai que deux. J'en ai que deux, c'est pas terrible. Super potion, pareil, peut-être que j'en achète. Faudrait voir la différence de prix entre une super potion. Et une hyper potion. Je pense qu'ils sont à deux. Hein. Nous allons devenir champions ensemble. Les machins, c'est les binômes. Bah, c'est encore Trunk et Bulma. Ah ouais, vous envoyez pas n'importe qui. Hein. Pokémon stylé qu'on a en face là. Un coup de surf, je sais pas si c'est efficace contre eux. Ça enlève vraiment que dalle. Est-ce que le surf est efficace? Putain, ça va pas enlever grand chose. Hein. Évidemment, il rate son attaque. Comme à chaque fois. C'est un peu désespérant. Mais bon, je pense que c'est la fin. Oh. Si. La nana est plus... est plus résistante, on dirait. Allez, ça, c'est parfait. J'aime pas les combats à deux là. 54 Florizarre. Ça aurait été cool que les deux évoluent. Bon, je pense que c'est la sortie, non? Ou pas encore? Ah, même pas. Même pas. Petit para, c'est bon, j'en ai 34. Je pense que j'ai largement ce qu'il faut pour finir le jeu avec ça. Et ouais, Léviator, faut que je lui en... J'aurais peut-être d'abord dû avancer, ça se trouve je suis à la sortie là. Et je les soigne pour rien. Merde, je suis con, il y en avait un là. Ouais, c'est la sortie, c'est obligé. Damoclès, non. Donc, la ligue est là en fait. Donc. Est-ce que je peux y aller à vol d'oiseau maintenant? Est-ce que j'irai bien soigner mes Pokémon du coup? Parce que là c'est la fin, c'est la ligue. Apparemment non, je peux pas y aller. Ah bah on peut se soigner ici, bah c'est nickel ça. Je me rappelle plus trop de ça en fait. On fait qu'on y va comme ça ou... Ok bah la carte on s'en fout. On y va ou pas?
Donc qu'est-ce qu'il nous vend quelque chose lui? Ouais. Je prendrais bien des rappels. Je sens que je vais crever, hein. Potion max, bon, on va prendre le max. Allez. Non. Advienne que pourra. Les quatre membres du conseil des quatre remportent la victoire et une porte s'ouvrira vers leur prochain dresseur. Bonne chance. En sachant qu'il y en aura 5 parce qu'on va se retaper raid tout à la fin. Il sera en mode fou furieux. Donc il faut bien observer les l'ambiance en fait qu'il y a. Tu vois là, tu vois que c'est l'eau en fait. La glace, l'eau. Donc on va laisser Florizard. J'ai suivi la maîtresse du Pokémon glace. Personne ne peut les battre, des Pokémon seront à ma merci une fois gelés. Ah ah ah, c'est parti. Deutschland ou alles. Allez, j'ai des Pokémon totalement bas level. Je sais pas comment je vais faire, mais on va essayer de réussir, tout simplement. Bon, voilà, la glace, je suis même pas sûr que... Est-ce que l'herbe est le point faible de la glace? C'est super efficace, mais j'enlève que la moitié, putain. Je pense que je le pète. Voilà. Ok, ils sont faits déjà en moins. Alors je crois que je prends quand même des... Ouais. C'est peut-être encore moyen de monter des niveaux... Non, mais écoute, on continue avec Florizard. Je sens quand même un petit stress, là. Le léger stress, vous voyez. Ça fait quoi, ça? Somnolent, ok. C'est-à-dire que je peux m'endormir n'importe quand. Ah, le low class il est énervant. Allez, cet abruti il s'endort. Ok, flûte direct, hein, on perd pas de temps. Ah, donc ouais. Donc, je pense que contre elle ça devrait le faire relativement. En vrai, tous les autres Pokémon sont tellement sous level que je sais pas comment on va faire. L'onde de folie. Ah non, pas ça. C'est le pire, ça, la folie. Tu peux pas le soigner, tu peux rien faire. Alors là, tu sais pas s'il va attaquer ou pas, et comme j'ai pas de chance, si pour une fois j'ai du bol, mais je le buterai pas. Par contre, vu que c'est très efficace, bah, tu vois, ça enlève un tiers, quoi. C'est pas possible, ça. Je crois que c'est mon point faible. Tu vois, c'est dégueulasse. On est tous les deux le point faible de l'autre. Mais lui, il me bute. Il bute beaucoup plus. Ouais, bah, c'est fini pour Florizard. Ça commence bien. La glace sur le feu, c'est efficace, ça. Sinon je lance magma. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. Déflagration directe. 10 niveaux de moins. Oh il a surf. Je pensais pas qu'il aurait surf. Je peux déjà utiliser deux rappels les gars. Je sais pas quoi faire. Premier dresseur, je suis déjà en PLS.
Je suis déjà en PLS. Oh, Colossinge a servi à quelque chose. Crustabri. Je crois que j'étais son point faible aussi à Crustabri. On va voir. Ouais, mais bon, j'ai... Je sais pas si... Ah, il commence à grêler, bah c'est comme les rayons de soleil, la pluie, tu sais pas à quoi ça sert. Ça pourrait le buter. Ouais, parfait. Bien joué, Colossin. Non, là, tu m'auras servi à quelque chose. Voilà. Quoi qu'il arrive. En plus, tu montes d'un niveau. Je garde Colossinge, ce qui m'a rendu fier. Écoute aussi, je déteste ce Pokémon. Tellement claqué du cul. Je sais pas si c'est mon point faible. Bah, je vais crever. C'est dégueulasse, putain. C'est vraiment un jeu d'enculé, hein. Putain de ta mère, là. Je viens, tous mes Pokémon sont limite crevés. Ouais, je le savais. Je le savais qu'il allait la guérir. Allez. On reste concentré. Je garde toutes mes chances. Ah, j'ai trop de retard dans les niveaux, hein, regarde-moi ça. C'est pas possible, gros. J'ai trop de retard. Là. Et c'est que la première, hein, ça va se finir, ils seront en niveau 60, les mecs. Alors, au moins, j'ai buté la première. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va jarder les super potions. Bah, j'ai des cadavres en fait. J'ai pas juste des potions simples. Elixir, c'est quoi ça? Ah, c'est ça, d'accord, 10 pp toutes les attaques. Ok, super bon. Ah, j'ai utilisé mes super bonbons encore. Net noir, pierre plante, fer. Sur Mac, j'en ai 8. Ça sera pas 3. La protéineur. Ok. Je regarde un peu tout ce que j'ai là. Air potion, ouais. Non, on va prendre les rappels. Alors ils sont tout en haut, je pense. Ils sont là. J'en ai 42. Ça devrait aller. Tac, magma. Et Colossinge. Non, Colossinge a bien géré, je trouve. Très content, lui. Pour une fois. Allez, encore un coup. Alors, le suivant, je crois. Je crois que c'est genre combat, un truc comme ça. Combat ou peut-être feu indirect. Mais normalement il garde la logique. Tu vois, s'il a un seul Pokémon, je sais pas, combat, il aura que des combats. Il y a peut-être que le dernier où ce sera vraiment très très large.
casse correctement. Écoutez, on y va. Hein. Peut-être pierre, non, plutôt. Je crois que ça ressemble à de la pierre, tout ça. Je vais garder Bulbi. J'ai pas lu ce qu'il avait. Genre des Onyx, des trucs comme ça, non, ce serait bien. Oh, on a déjà vu son design. Onyx. J'ai bien fait de garder Bulbizarre. Enfin, Florizarre, hein, pour les puristes. Et ça devra le faire. Tignon. Oui. Tignon, c'est combat. Donc combat, on prend Kadabra. Aïe, Kadabra. Je pense que je le bute en un coup, même si j'ai 3 niveaux de retard. Merde. Il est tellement fragile, Kadabra, que... Et en plus un coup critique. Ouh, faut pas s'énerver. Hein. Faut pas s'énerver avec ses coups. J'ai même pas regardé ce que c'était le Ventardise là. On est le même type. Ah d'accord. Donc peut-être même type, mais bon, c'est pas grave, hein. Il te pète la gueule quand même. C'est bien Colossin, hein. Tu continues à me faire honneur, je trouve. Là, je suis quand même bien baisé à cause du Kadabra. Hein. Ça peut me buter. Hein. Putain, c'est chaud. Gros. C'est chaud, franchement. Critique, il va me buter. Que le Dracorage va servir à quelque chose un jour. Non. Non, bon, on va le soigner. On va faire un rappel déjà sur... sur Kadabra. Là, Léviator va crever. Voilà. Je fais revenir Kadabra. Il entend que le Psycho. J'ai pu attaquer en premier, donc c'est bon. Ah, il faut que je reste concentré, faut que j'essaye d'assurer. Tout ça, c'est qu'une logique. Voilà, il est au niveau 50. On fait revenir Florizarre, on va le péter en un coup. Je me rappelais pas que c'était aussi chaud. Enfin, je me rappelais que c'était chaud, mais... Normalement, c'est du premier coup. Par contre, c'est qui le dernier? Match Chopper, ouais, je le savais. Par contre, là, je peux me faire buter. Hein. Si ça se passe mal, s'il attaque en premier, c'est fini. J'arriverai pas à renverser le truc.
Et encore, je pense pas que je vais le buter. Voilà. Une fois j'ai eu du bol. Il envoie un putain enculé. C'est pas normal. C'est pas normal. Il est attaqué et derrière il reprend encore de l'énergie. C'est pas normal. Putain de Goro de Mortal Kombat. Allez, j'ai réussi avec le dresseur numéro 2. Bien joué, ton prochain dresseur t'attend. Pour le prochain, je sais pas du tout qui c'est. Alors pour le moment, Léviator me déçoit au taquet. Alors, et les deux qui sont au rendez-vous, bah c'est Florizarre et Colossinge. Ça me trouve un peu le cul de dire ça, mais Colossinge est là. Et ça fait plaisir. En suivant, je sais pas qui c'est. C'est peut-être les plantes, hein. Plante, bah ce sera pour Magmar. Avec son niveau pathétique. C'est qui le plus bas niveau? Ouais, c'est Magmar et Léviator. Kadabra, c'est... Bon, il a quand même buté... Mais bon, il a quand même un niveau 50, Kadabra. Je sais pas. Il était quand même en droit de mérite d'attendre mieux que ça. Je préfère garder mes hyper potions au combat. Hein. C'est pour ça que j'utilise ça pour le moment, pour les soigner. De toute façon, là, j'en ai plus. Alors, j'ai pas de la boisson quelque chose, là, non. Voilà, de l'eau fraîche, c'est parfait, ça. Oui, même pour un point, je le soigne. Voilà. Tac, tac. Et on passe à la suite. Voyons. Ah ouais, mais alors là, tu sais pas du tout ce que c'est, quoi. Alors là... Psy, peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? On mettrait qui en numéro 1 si c'est Psy? Je laisse Florizarre. Au pire, j'essaierai de l'endormir. Il veut juste frimer avec son Pokédex, mais c'est stupide, les Pokémon servent à combattre. Spina, je vais te montrer comment les grands dresseurs combattent. Elle me dit pas ce qu'elle est. Elle me dit pas ce qu'elle est. Voilà. C'est une vieille avec une canne. Ouais. Il me semble que le point faible, c'est l'eau contre eux. Un peu de chance. J'en ai jamais, putain. Je voudrais l'endormir. Je crois que l'eau est leur point faible. Je dis bien je crois. On va faire... Qu'est-ce que je fais? On va faire venir direct Léviator si c'est l'eau. J'espère qu'il va pas déjà se réveiller. Ça va laisser l'attaque. Ok, il dort. Pénard. On va faire un hydrocanon. Il se réveille déjà le machin. Ok, il se réveille et il fait déjà une attaque. Le gars il a le droit de faire les deux trucs en même temps. Nom de Zeus. Alors est-ce que c'est efficace contre eux? Pas du tout. Pas du tout. Et lui je parie que c'est très efficace. Ah oui, c'est vrai que c'est son truc de folie à la con là. Mais il loupe son attaque, putain mais c'est dégueulasse. Franchement le jeu est dégueulasse quoi.
Vas-y, putain. C'est un handicapé. Franchement, Léviator, c'est juste de la merde. Voilà, sa folie lui inflige des dégâts. Qu'est-ce qui est efficace contre les spectres? Je m'en rappelle plus. Bref, j'ai pas de chance. Le jeu a décidé que c'était fini. Là. C'est de l'eau, on s'en fout. On s'en fout d'esquive. Ouais, mais putain, le mec qui rate tout, quoi. Tu rates tout, mec. Qu'est-ce qui est efficace contre eux? J'avais utilisé quoi à l'époque, là, dans la tour Pokémon? Je m'en fous, je l'utilise. En fait, t'as pas le droit de l'attaquer, lui. Ah, t'as réussi à rater. Eh, mais c'est un truc de fou furieux, là. Je n'ai pas le droit d'attaquer. Je vais commencer à monter en pression, là. Je vais commencer à péter un câble, hein. Mais mec! Je suis à deux doigts de balancer la manette contre le mur là. Je suis à deux doigts les gars. Vas-y, renvoie ton toxique, vas-y, j'ai que ça à foutre. C'est quoi pour le poison encore? Anti-poison, je sais plus quoi là. Non, guérison? Non. Je sais plus. Antidote peut-être? Ouais, c'est ça, j'en ai 88. Le problème, c'est que je pourrais jamais l'attaquer là. Il fait que ça le mec. Vas-y, refais toxique, mais c'est pas possible. C'est sans fin, là. C'est sans fin, mec. Allez, de folie. Ça m'avait manqué. Allez, monsieur est confus. De toute façon, t'attaques jamais, donc... Vas-y, bah refais, reflet. Je pourrais jamais l'attaquer. Et c'est le premier, hein. Elle doit avoir que des spectres. Ah ok. 32 dégâts le machin, tout va bien. Tout va bien. Vas-y, on part. Mais c'est peut-être Kadabra leur point faible en fait. Mais tu peux pas jouer mec. Je peux pas jouer. Le jeu est bloqué là, je peux rien faire.
Là, je sais pas quoi faire, mec. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que je peux faire, moi je veux bien. Hein. J'ai fait danse plume sans faire exprès. Pas quoi faire en fait, là je suis complètement bloqué. Je ne peux pas attaquer. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire les gars? Dites-moi. Dites-moi, on s'en fout, on n'est pas en live, mais dites-moi, qu'est-ce que je peux faire là? Il n'y a rien à faire. Voilà, première fois que je peux l'attaquer depuis 10 piges. Mais ça va servir à quoi? Parce qu'il va relancer son truc. Putain. Mais non, mais le problème, c'est qu'il y en aura plein des comme ça. Bien sûr, on prend, évidemment qu'on prend. Sferalto. Est-ce qu'on peut utiliser comme Pokémon? Je sais pas moi. Je sais pas, Magmar. Magmar, vas-y, je sais pas. Ouais, mais vas-y, ils attaquent toujours en premier aussi. Ceci, c'est pas normal. D'où le respect là. Où tu vas jamais attaquer, t'attaques une fois sur deux, voilà, la folie je lui inflige des dégâts. Prends cher. Ouais, okay. Ok. Je vois pas comment il peut m'envoyer autant de dégâts. Mais... regardez ce qu'il me reste, c'est fini là. C'est fini les gars. Si le but c'est fini. Mais comment ça peut être efficace, putain? C'est quoi ce bordel tranchère là? Oh yeah. Après il faut que j'utilise mes super bonbons. Non, il me faut un rappel max, voilà, c'est ça qu'il me faut. Il me le faut sur Kadabra. Parfait. Est-ce que je peux essayer de l'endormir? Parfait ça. J'essaie de reprendre Kadabra. Putain. Continue de pioncer. Hein. Commence pas à me faire chier. Est-ce que c'est efficace ça contre eux? Ouais. C'est bien lui leur point faible. Arbok. Le point faible d'Arbok, c'est quoi? Je crois que c'est toujours lui, hein. Non? Arbok. Je sais pas, j'ai Colosse. Je sais pas, j'ai Colossinge en tête, là. Ça fait des dégâts ça. Oui, pas du tout. Quand
on va essayer d'utiliser Colossinge comme malheureusement. Si on allait où est-ce qu'elles sont? Sur Max. Elles sont là. Kadabra, ouais. Il attaque, ouais merde. Pété en un coup. Bon, en même temps, il y a quoi, il y avait 12 niveaux de différence. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça lui fait des dégâts lui. Yes. Ça c'est bon. On va se combien 2. Oh putain, encore un ectoplasma. Faut juste que je puisse attaquer en premier. Nique ta mère, putain. Vous avez vu ce qu'il me reste là? C'est fini. Je crois bien que c'est fini. Aïe 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 aïe. Il fallait qu'elle ait encore un Pokémon comme ça. Tu veux pas pioncer un peu, non? Qu'est-ce que j'ai là envoyé? Faut un rappel max. Ah ouais, j'en ai qu'un, putain. Continue de pioncer, hein. Moi ça me va. Alors ils sont où les rappels? Ils sont là. Celui qui a le plus d'énergie, bah, c'est Léviator. Là il va se réveiller. Non. Moi je continue de... Je continue mon truc. Ensuite c'est qui? 120, 121, c'est Magmar. Et là il se réveille. Toujours pas, mais écoute, je continue. Reste comme ça, hein. Moi ça me convient parfaitement. Hein. Attends. Super bon, ce sera pour... Si je survis à cet enfer. Ouais, j'aurais pas dû faire un rappel max. Tant pis. Bon là il va se réveiller. Bomber. Yes. Kadabra. S'il se réveille direct, c'est dégueulasse. Tu peux attaquer deux fois de suite là quand même. Hein. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Moi. Que le dernier c'est encore un ectoplasme. Parfait ça. Si je peux attaquer en premier c'est fini, mais c'est toujours la même chose.
Est-ce que je vais pouvoir attaquer en premier? Allez, ça dégage. Putain, j'ai réussi à la niquer. C'est chaud. Moi, je monte de niveau, là. Pouf! Allez, le dernier. Et après, il y aura mon rival de toujours. Je vois pourquoi le vieux chien t'apprécie autant. Je n'ai rien à ajouter, tu peux passer. Merci, salope. Sale pute. Mais merde, je l'ai pas fait le rappel. Alors attends, on va juste aller dans la prochaine salle. Alors attends, j'ai toujours peur ouais, qu'il y ait un truc qui se déclenche automatiquement ou autre. Les potions, ils sont là. Ça, j'ai la dose. Je sais pas à quoi sert cette animation là pour zoomer sur les Pokémon. Parce qu'en plus, c'est plus moche qu'autre chose, je trouve. Carnage. Ensuite, en type guérison, c'est ça? Ouais. Voilà, au moins là, on est peinard. On est d'accord. Et je veux juste voir... C'est quoi la suite, en fait? Est-ce que c'est le feu? Est-ce que... Il avance automatiquement, cet enculé. Putain, j'ai eu peur. Ah bah on sait pas en fait. On ne sait pas. Donc j'utilise mes points sur qui là? Mes super bonbons. Moi je sens bien le Pokémon feu. Hein. Moi j'envoie tout sur Léviator. Je sais pas, c'est trop bizarre qu'on ait pas de feu alors que c'est trop puissant le feu. Sont les super bonbons. Non, surtout pas. C'est de la vraie merde, ces trucs. Voilà. Niveau 46. 47. Et 48. Monte l'attaque spé d'un Pokémon. Je sais pas, mais ça sert à quoi? Ça sert à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que c'est juste pendant les combats, non? Ça c'est pendant un combat donc je pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt à les utiliser quoi. Et... Je sais pas hein, si est-ce que ça sert à quelque chose. Je pousse totalement le Léviator. Je sais pas. Peut-être que je fais n'importe quoi. Vitesse.
Il avait 159, 160, ok. Si ça a monté d'un point. Je suis prêt. Bon, je vais mettre l'Éviator numéro 1. J'espère que je me suis pas trompé. Et qu'on sera bien face à des... Bah, il a les cheveux rouges et tout. Donc... Je pense qu'il y a moins que ce soit ça, non? On est sûr. Hein. Parce que c'est le dernier. C'est le conseil des 4. Et le pire, c'est que je crois qu'on enchaîne avec Red sans pouvoir se soigner. T'imagines la galère? Ah non, c'est dragon, c'est pas feu. Ah, c'est mort. J'ai pas augmenté le bon... Bah, je sais même pas ce qui est le point faible d'un dragon, en fait. Ah bah ok, ça va être Léviator contre Léviator, sauf que le mien, il est tout pourri. On fait force. Allez, vas-y, putain. Allez, hein, au moins un petit... Ouais, c'est pathétique. Il va me buter. Bah j'ai pas le choix, hein. Je peux en mettre de l'énergie, moi. Super potion. Je crois qu'il a Dracolos aussi, non? Évolution de... pas laser. Compétence que j'aurais peut-être pu apprendre. Je pense qu'il va, au bout d'un moment, il va faire une guérison ou quelque chose. Mais bon, logiquement, je le pète hein, si ça continue comme ça. Voilà, guérison, c'est pas grave. Vaut mieux qu'il utilise les guérisons maintenant. Parce que là, avec mes hyper potions, je devrais pouvoir le buter. À moins de me faire avoir avec, je sais pas, une connerie de coup critique à la con, toi qui tombe, qui sort de nulle part. J'aurais dû attaquer deux fois, mon gars. Voilà, tu vois, c'est jouable. Là, on peut utiliser la limonade, par contre. J'aurais peut-être pas dû. Merde. Ça va. Là, logiquement, je peux attaquer deux fois. Hein. J'aimerais bien faire un coup critique des fois. Là, je vois pas pourquoi il peut attaquer. Ça va pas le tuer. Super potion. J'ai pas vu combien il m'en restait, mais. C'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Bon, je le pète après ça. Parce que là, même en coup critique, il peut pas me tuer. Ah, je prends pas de risque. Pas de courage. Terra. Bah non, on continue avec Léviator, parce que c'est le même genre. Stylé lui aussi. Ah putain. C'était efficace.
Ouais, bah alors là le problème... on va avoir un problème je crois. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord du tout. Qu'il me pète comme ça en un coup, je suis pas d'accord. J'aurais pas dû augmenter le Léviator. Ah, j'ai fait une connerie. Putain, mais vas-y, y'a tout qui est efficace avec lui. Ça, ça ne l'est pas, je suppose. Si, quand même. 80... Non, c'est bon, on veut plus de la moitié, donc... comment on fait, là? Cruel, il y en a combien normalement? Ah putain, 70, 72, ça fait 170, je suis mort. Rappel, il est là. Je vais crever en un coup. Voilà, en plus un coup critique. Ouais, là, je vois pas trop comment m'en sortir. Avec ces Pokémon Dragon, ça me paraît bien, bien compliqué. Le problème c'est qu'il attaque toujours en premier. Tant qu'il attaquera en premier, moi je pourrais rien faire. Le chemin il ne tue pas. Ouais mais vas-y, mais c'est pas possible gros. Je parie que c'est très efficace. Voilà, c'est super efficace. Il me balance des cailloux sur un Pokémon feu et c'est efficace. Pfff. Je crois que c'est fini. Hein. Une attaque des fois ou le mec me viole littéralement, tout va bien. Je suis pas sûr que ça change quelque chose, mais... Évidemment. Allez. Je suppose que je crève en un coup. Non, même pas. On va faire un rappel sur notre Pokémon, hein, sait-on jamais. J'avais la dose d'objet hein, parce que putain 153 c'est lui, ouais, carnage. Ouais, j'aurais presque pu me soigner en fait, je suis vraiment con. Il lui reste encore des attaques à Terra parce que bon, bon là je suis pas mort normalement.
T'es super efficace contre Floriza. Ça le bute ou pas? Mais non! Non, je suis toujours pas mort. Dracolosme. C'est de pire en pire. Non, je change pas. Faites-moi ça niveau 60 le machin. Niveau 60 les mecs. C'est incroyable. C'est pas équilibré du tout. Mais vraiment pas du tout. Sur le fait qu'il ne me bute pas en un coup. Colère, c'est du feu, c'est mort. Ouais, j'aurais dû le faire sur l'Eviator, je sais pas ce que j'ai branlé là. Franchement, il ne me bute pas. Heureusement que j'ai fait le plein des objets de soin, parce que... Et encore, il m'en reste plus des masses. C'est parfait, ça, s'il est confus. Rappel, il m'en reste combien? Parce que j'en ai plus de 20 encore ou pas? Ouais, j'en ai 20 plus. Personnel de l'Eviator. L'ennemi est confus. Ça peut lui enlever un petit peu de dégâts. Voilà, c'est toujours bon à prendre, mec. C'est toujours bon à prendre. 121, bah ouais, c'est Magmar le suivant. Allez, encore des dégâts. Dommage. C'est efficace, ça, ou pas? Putain! Un coup cri... Mais oui, c'est efficace, merde. J'ai pas eu le temps de monter le Léviator au taquet. Putain, si j'avais des rappels max, ce serait cool. Allez, perds de l'énergie, donne-moi un peu de chance. J'ai pas le droit, hein. Rune Protect. Je sais pas à quoi ça sert, ça, mais... Allez, Hyper Potion sur Floriza. C'est lui, le Capitana. Je crois que je suis mort. Bien joué au carnage. Ok, j'ai mes deux puissants entre guillemets qui sont de retour. Ouais, il est mort évidemment. On retourne avec Floriza. Je vais juste essayer de l'attaquer pour voir ce que ça donne. Au moins ce que je lui avais... Oh putain, c'est un coup critique en plus. Allez, s'il te plaît, lui inflige des dégâts. Mais vas-y, j'ai jamais de chance. Ah, je suis mort. Oh là là, ce que c'est dur. De toute façon, que le Dracolos, il n'y a rien qui est efficace contre lui.
sache pas ce que c'est une protect de toute façon. On peut pas aller bien loin en le sachant ce que c'est. Merde, c'est qui Florizard, ouais. Le problème c'est qu'il est confus mais il perd jamais d'énergie, tu vois. C'est pas normal. En fait c'est le combat sans fin quoi. C'est le putain de combat sans fin. Je sais pas ce qu'il a comme point faible malheureusement. Et il a jamais de dégâts. Tu vois? Il n'y a jamais de dégâts contre lui. Ah, ça sert à rien que je continue. Allez, adios. On reprend Florizard, on tourne pas du tout en rond, hein. Pas du tout. Est-ce qu'il pourrait au moins pioncer pour me foutre la paix? Voilà, merci. Je suis sûr qu'il va pioncer genre un tour. Un tour, il va se réveiller. De dormir. Attends, je vais plutôt soigner. C'était où? C'était ici. Parfait, dort toujours. Je vais pouvoir ranimer aussi au carnage. Parfait. En tout cas, il a l'air d'être assez fragile au truc pour pioncer là, parce que depuis le temps qu'il dort. Dort toujours le machin, tranquille. Au calme le mec. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je leur redonne toute leur vie, parce qu'ils crèvent toujours en un coup les mecs. Putain, il attaque deux fois, c'est pas normal. Je le savais. Ah d'accord, donc quand il a ça, je peux pas. J'ai compris à quoi ça sert. Je peux pas le faire pioncer. Si ouais, si je peux. Est-ce que la poudre toxique passe ou pas? Ouais, c'est pareil, putain. Enculé. Bande d'enfoirés. C'est bien joué de leur part. Hein. C'est le choc des titans ce qu'on voit. C'est l'handicapé contre les dieux. Voilà, c'est le moment. Non, non, c'est le moment de poudre toxique. Parfait. Là, on est garanti à ce qu'il perd de l'énergie à chaque fois. Voilà. Poudre dodo. Allez, sa folie lui inflige des dégâts. Donne-moi un peu de chance. Voilà. Et derrière, il y a le poison. Merde, ça a foutu. Il se soigne, le fils de pute.
passe dans le jaune. Allez, poudre dodo, s'il te plaît. Foiré. Du coup, il perd le poison ou pas? L'eau fraîche, c'est combien? C'est 50, 60, 80. Écoute, on va prendre ça. Là, faut juste que je résiste, en fait. Ne peut que crever à cause du poison. +86, ça fait combien? 160. Je crois qu'il ne me tue pas. Poison, est-ce que ça le bute? Ah, ça peut me buter. Allez, on en finit. Parfait. Et c'est que le deuxième que je bute chez lui. Non, le troisième. Il en reste deux, c'est ça? On va changer parce que je vais me soigner. Je vais soigner Florizard. Tu sais, je fais plein de bruit avec ma bouche là. Il n'est plus que 24, hein. Ça descend. Ça descend très vite. Et j'ai 4 Pokémon en ma possession. Bon là, logiquement, il devrait pas me buter. Hein. Tente hydrocanon. C'est jamais. Hein. Ça peut enlever 3 mm. Oh, critique. La moitié, c'est déjà pas mal. Voilà, ça me va. Je m'en fous de ton dracourage. Mais nique ta race, Léviator, sérieusement, quoi. Je me demande qui est le dernier. Moi, je sens bien le Dracaufeu, tu vois. Dracaufeu, j'ai le Léviator. Allez, crève. Pas crever, hein. Ça en fait des objets de soin, la vache. Je suis désolé, hein. Je suis tellement à fond dedans que j'arrive même pas à parler, j'arrive même plus à réfléchir. Vaut mieux que ce soit sur Draco qu'un monstre juste derrière. On va faire du surf. Parce que le surf lui fait quelques dégâts aussi. C'est de la merde, mais... Si on tentait force, tiens. Est-ce que ça enlève un peu plus? Ah oui, ça enlève beaucoup plus. Terminer avec de la force. Attention à cette attaque, hein. Ça pique un peu. Allez, on en finit. Allez, t'envoies ton dernier Pokémon, qui je le parie sera Dracaufeu. Encore Draco. Okay. Bah, je l'ai battu, hein. Logiquement. Ok,
cas, j'éclaire. Je vais être paralysé, enfoiré. Ah, façon, il utilise Rune Protect dès qu'il peut. On a pas pu faire un petit coup critique. J'espère que c'est pas un coup critique là parce qu'il peut me buter. Non. C'est fini. Ok, donc je l'ai battu. Donc maintenant à voir si on enchaîne directement avec le temps culé là. Si c'est le cas, bah ça va être compliqué. Au moins j'aurais pété la Ligue des 4 avec des Pokémon totalement sous niveau. Ah bah si on peut se soigner, tiens je me rappelais plus de ça. Il me semblait qu'on enchaînait à la suite. C'est parfait. Antipara. Donc il a, rappelons, il a roue carnage, il a draco feu, il a noix de coco. Après je sais plus. Rappel, il en reste 23. Les objets de soins vont peut-être suffire tout juste. Putain, un cadavre, il aura vraiment servi à rien. Autant il m'aura servi pendant tout le jeu. Mais par contre, pendant la Ligue Pokémon, c'est une véritable catastrophe. Le mec ne sert à rien. Bref, faut pas obliger que j'ai 8 potions max. Hein. On s'en fout de lui mettre plus. Il est trop pété du cul. Je suis obligé de prendre une hyper potion pour. Pareil, Colossin, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un intérêt à le soigner. Mais... On va quand même le faire, hein. C'est jamais. Donc, par contre, il faut que je me remette un peu de. Alors attends, 10 pp. Psycho. Normalement le reste c'est bon. Ouais, on va juste voir. Combien il me reste là de sur tout ce qui est Florizarre. Foudre dodo 6 sur 15. Je pense que ça devra aller. Écoutez, je vais quand même le faire sur poudre dodo. C'est jamais. Hein. C'est jamais. Ouais, je suis quand même content que je suis arrivé jusque là. Franchement, je suis fier de moi. Vraiment fier de moi avec une équipe pareille, gros, totalement sous level. Allez, on arrive chez Dieu. Salut Spina, je t'attends depuis longtemps. Ton devoir en tant qu'adversaire est d'entraîner mes Pokémon. En élevant mon Pokédex, j'ai cherché des Pokémon surpuissants. J'ai ainsi créé l'équipe ultime, efficace contre tous les types de Pokémon. Ça t'épate, hein? Je suis le maître de la Ligue Pokémon. Tu sais ce que ça veut dire? Écoute ça, Mina, je suis le dresseur le plus puissant du monde. Yeah. Eh bien voyons ça. Voyons ce que t'as dans le bide, petit enculé de merde. Déjà, il a 6 Pokémon comme moi. Au carnage. J'ai Dracaufeu.
crois que ce serait... Putain, il y a plus de... Logiquement... Il le loupe, hein. On va pas aller loin, hein, si tu fais ça tout le long du truc. 11 niveaux de plus. On s'enlève beaucoup. Il envoie qui ? Ah, Kyrinox Feros. J'ai pas utilisé la bonne attaque du tout. Par contre, j'ai le bon Pokémon pour le buter. Yes ! Un de moins. Le suivi me faisait un peu flipper. Et je récupère toute ma vie. Si j'en avais perdu, je sais plus. Je garde Léviator. Ouais, mais vas-y, putain, tu vas pas faire ça pendant tout le combat. Sois logique ou carnage. Aéropique, je pense pas que ça fasse du dégât, ça. Ça, il va faire ça pendant tout le long du truc. Me remettre la vie parce que je suis un bâtard. Sur max, non. Quand j'en aurai moins de 10, je commencerai à paniquer. Les PV de la mer sont restaurés de 95 points. Aéropique, ok. Pas fait exprès. Soleil, continue avec la force. Mais non, franchement, Léviator, quoi. Pas de coup critique. Hein. Coup critique maintenant. À la Kazam. Putain, les psys, c'est quoi les points faibles? Je sais jamais. Ben, je garde, du coup. Je sais pas. Pas plante. Je suis sûr que c'est son point faible. Je le sens à 10 km. Non. Écoute, on va lancer Kadabra. Je pense pas qu'il me bute. On est du même type. Quand même bien saigné cet enfoiré. J'ai toujours du mal contre ces Pokémon là, je sais pas quoi faire. J'ai l'impression qu'ils sont bons contre tout le monde. C'est une attaque ça? Moi, je lui enlèverai légèrement de dégâts. Là c'est fini. Alors là, l'objectif, c'est d'envoyer Bulbizarre et de le faire pioncer. Bulbizarre, une attaque ultime, c'est le poison. Tant que j'arrive à résister et tout... Je sais pas si c'est mon point faible. Malheureusement, si. Alors là, j'ai vraiment pas compris. Hein. Là, faudra m'expliquer. On renvoie le Léviator. On ressuscite le Bizarre. Parce que le Bizarre est indispensable. Ouais. Ouais, Kadabra, je sais pas s'il va servir un jour à quelque chose.
augmente sa défense, si tu veux. Tant que tu souffres du poison, moi je suis peinard. Merde. Plus que 16. Mais j'ai un Florizarre au taquet. C'est ça ce que je me suis pris tout à l'heure. Je fais un Dracorage. Je sais pas si c'est efficace. Dab, y'a tout qui baisse. Merci. Ah, t'as vu ce qui manque? Allez, on va y arriver les gars. Ah, au moins il l'a utilisé. Par contre, ouais, il a plus de poison, donc il faut que je renvoie Bubizar. Est-ce que Surf c'est efficace contre lui? Je suis obligé de panter. Mais non! C'est n'importe quoi ça. Et là, le comble, c'est qu'il va réattaquer encore une fois. Tu vois, le machin, il attaque tout le temps. On va essayer de le faire pioncer aussi. Ah, synchro est inefficace contre moi. Et tranchère, est-ce que ça te fait du mal? Ça te fait du mal. Je suis obligé de faire ça, hein, j'ai pas le choix. Souffle du poison, mon gars. Ta mort est proche. C'est une course contre la mort, contre ta... C'est une course contre la montre pour ta mort. Léviathan, faut qu'il soit présent. Il y a un Dracofeu qui va arriver. Putain, encore un guérison. C'est un enculé, hein. Yes. Bah, je pense qu'il a que deux guérisons, il n'aura pas d'autres, donc là je suis peinard, je pense. Puis il souffrira continuellement du poison. Je crois que ça me faisait rien. C'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure? Je confonds. Oh putain, je suis mort. Pff, c'est compliqué, hein. Ok, un psy spectre machin là, tu sais pas trop comment gérer. Moi j'ai ça qui va lui faire baisser sa vie. On rappelle le Florizarre. Ok. Allez, le poison qui fait du bien et qui va bien. Là, je commence à flipper, il en reste 13. 13 seulement. Parfait, ça échoue. Et tu te tapes le poison. Comme ça on est bien.
Là, normalement, il ne me bute pas. Merde, je l'avais oublié cette attaque de merde là. Là, je suis nouveau mort. Je refais revenir bizarre. Est-ce que je peux le faire pioncer en plus du poison? Ce serait bien. Ça choue une fois sur deux ce truc. Ça va pas me buter sauf en coup critique. Ça c'est dégueulasse par contre. Là on va commencer à stresser hein. Mais non! Il restait plus rien! Je sais pas comment il est le. Il est mort. Ouais, il est mort, Léviathan. Voilà, c'est fini. Le poison, ça dégage. Ensuite, suivant. T'envoies qui? Dracofeu va devoir changer de Pokémon. Oui. Si on l'attendait, hein, le Dracofeu. Fils de pute, il attaque en premier. C'est pas mon point faible. Hein. Merci. Là, je vais crever de toute façon. Au moins la moitié. Je suis pas sûr que ce soit la moitié, mais. Il est mort. Le prochain Pokémon va juste me servir à le faire revenir. Je vais prendre Magmar avant tout. Peut-être que feu contre feu, mais bon, je crois pas une seconde, il va crever en un coup. J'ai pas un rappel max là. C'est là où j'ai merdé tout à l'heure. Adieu. Il le retire. Il a encore un Léviator. Fatigant ça. Ok, on en a encore une attaque de l'autre qui est mort depuis 10 ans là. Non, on reprend le Léviator. L'eau sur la plante, normalement ça ne fait rien. On va prendre. Florizarre, il est mort ou pas? Non, il est là. Ouais, normalement, de toute façon, ça me fait rien. Ouais, que ça ne me tue pas, s'il te plaît. Mais Florizarre, putain d'abruti, va, allez! Mais putain, c'est un coup critique, ça! Pas été verni hein, avec les attaques qui étaient toujours foirées, j'ai vraiment pas de bol. Hein. J'ai vraiment pas de bol du tout. Je suis vraiment pas chatard. Et renouvelle ça. C'était vers le bas. Super potion, ça il en reste 10. On y est.
Là, est-ce que j'ai de la chance? Sa folie bien fiche des gars. Non, j'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Moi, je suis un gars qui a pas de bol. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux déjà lui envoyer des dégâts de temps en temps? A priori, c'est trop demandé, hein. Merci. Au moins, il aura le poison. Allez, ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut que je ressuscite. Léviator, à cause toujours du drapeau au feu. Il traîne. Ah bien, je suis passé devant. Rappel, il est là. On reste 15. Ah, il est déjà plus confus. J'ai envie de tenter un tranchant. Est-ce que ça peut le... Voilà, merci. Ça peut l'agir au moins une fois, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas très efficace. Au moins, il y a le poison encore derrière. Me bute pas avec son manu. Putain, il me gave. T'as de la chance, je viens spécialement de le soigner pour toi. Ton drac au feu, j'aimerais bien qu'il dégage. Et en plus, t'as pas de bol, l'attaque a foiré. T'as toujours pas de bol. Est-ce que moi j'ai du bol? Oui. Est-ce que ça peut le buter ou est-ce qu'il va rester encore 1 mm? Voilà, il va rester 1 mm. Ça, c'était couru d'avance. Ah, mais ça va être ridicule. Hein. Fils de pute. T'en avais combien? T'en as combien des guérisons, toi? Et je suis censé attaquer deux fois de suite, hein. Je le rappelle. Mais dans le jeu là, t'as pas le droit. Ça me fera rien, dégage. Feu contre eau. C'est inadmissible que ça me retire autant. Allez, c'est fini. Normalement. Et non. Est-ce que moi j'ai de la chance? Non. Combat d'handicapé. J'en ai plus. Ça pourrait me tuer, ça. Non. Allez, Dracofeu à la poubelle. Là, il va renvoyer son autre Pokémon de merde. Noix de coco, un Pokémon psy. Je sais pas. Je sais pas ce qui est le... J'ai envie d'essayer au carnage, mais... Sans être véritablement convaincu. Juste pour voir ce que ça fait comme dégâts. Hein. C'est déjà... Ouais, c'était efficace, d'accord. Poudre dodo. Ça va, on avance bien. Putain, la liste, ça fait quoi, une heure et demie que je l'ai commencé? Qu'est-ce qu'on va mettre? Ah oui, la flûte de merde. Quelle flûte. Ah bah s'il peut s'amuser à m'endormir toujours, moi ça me va. J'envoie Florizarre, un coup de poison. T'as pas de bol, en plus tu rates ton attaque. Et pas moi. Je pourrais le péter au prochain coup. Ça va me faire des dégâts, ça. Ouais, ça descend. C'est fini. Oh non, c'est fini. Comme quoi.
dernier, c'était qui encore là qui me posait problème? Ah oui, le Léviator. Je vais laisser au carnage. Ouais, il est empoisonné. Ouais, il souffle du poison en plus. Putain, l'enculé, il avait encore un guérison. Va falloir tout recommencer. Je sais pas où on en est là. Florizarre, il est en vie ou pas? Ouais. Est-ce qu'il faut que je lui file? Là, il va me péter mon carnage, y a pas de souci. Foirer son attaque. Et sur le Léviator. C'est le dernier, donc normalement ça devra aller. Allez, tu me l'as buté, t'es content? T'es content de toi? J'en ai rien à foutre. C'est pas grave, mec. C'est pas grave. Tu me l'as buté, mais c'est pas grave. Parce que maintenant, je vais t'empoisonner et j'ai assez d'objets de soins pour te voir crever. Ça ne me butera pas. Parce que je suis le Florizarre. C'est efficace contre personne, de toute façon, ce truc-là. Bracorage. On va l'attaquer un peu, parce qu'on... Patentiste. On est là pour péter du Pokémon. Allez, un petit coup de poison. Voilà. Ça va me buter, par contre. Non. Enchère. Et tu souffles du poison. Et la victoire est le maître Pokémon et le Spinaruni avec des Pokémon totalement sous-évolués. Je suis le roi des objets de soins, c'est tout. Après en avoir tant bavé, je me fais battre et par toi, mon rêve de gloire disparu, c'est pas juste. 6300. Comment hein, mais pourquoi? Waouh, j'ai entraîné mes Pokémon à la perfection et zut alors, tu es le nouveau maître de la Ligue Pokémon, alors ça me sidère. Spina, professeur Shen. Tu as gagné, félicitations, tu es le nouveau maître de la Ligue Pokémon, tu as tant changé depuis ton départ avec Bulbizarre. Spina, je suis fier de toi. Red, je suis déçu. Apprenant que tu avais vaincu le Conseil des 4, je suis venu en vitesse, mais le temps d'arriver jusqu'ici, tu avais déjà perdu. As-tu compris pourquoi ton équipe s'est fait battre? Tu as oublié de traiter tes Pokémon avec amour. Sans ça, tu ne pourras jamais devenir champion. Bah, il était comme champion. Tu as compris que tu dois aussi cette victoire à tes Pokémon. Le lien que tu as créé avec eux est merveilleux. Spina, suis-moi. Désolé. Félicitations, Spina. Cet étage est réservé au Panthéon des dresseurs. Les maîtres de la Ligue Pokémon sont consacrés à... Leurs programmes sont enregistrés, ton périple fut long jusqu'à la victoire, encore bravo, toi et tes chers Pokémon, blablabla. Bla 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 bla. Sauvegarde en cours, ne pas éteindre. C'est quoi le générique de fin? Ah, mon Léviator, mon Florizarre, mon Carnage, mon Magmar qui n'aura servi à rien. Mon Colossinge et mon Calabre. Stylé quand même l'équipe, non? Là le nouveau Panthéon. Ouais, je suis content, j'ai réussi. 26 heures de jeu. Maître de la Ligue, félicitations. Y a pas de générique de fin? Ah si, quand même. Équipe de Pokémon version Verfeuille, donc merci à tous d'avoir évidemment suivi cette aventure. Ça m'a fait plaisir de revivre un petit peu cette ambiance Pokémon, cette ambiance si familière en fait à mon enfance. Même si bon, j'ai pas
autant baigné dedans que certains d'entre vous. Moi, c'était plutôt la génération Dragon Ball, Chevalier du Zodiac, Olivier Tom, Batman, la série animée, voire encore les plus vieux dessins animés comme Goldorak hein, qui passait en rediffusion. Pokémon est arrivé sur le tard, j'avais déjà un certain âge, j'étais au collège. Une période où c'était la honte de jouer et surtout de regarder des dessins animés. Donc en tout cas, au moins, là, c'est chose faite. J'ai refait un jeu Pokémon. Celui-là, je ne l'avais jamais fait. Parce que j'avais fait sa version bleue quand j'étais petit. Mais je suis content de l'avoir découvert. C'est quasiment le même jeu. Hein. Je me rappelle pas assez des anciens jeux pour vous parler des différences. Donc normalement, je vais faire le test du jeu. Donc vous aurez déjà vu le test avant de voir ce let's play. Donc voilà, très content d'avoir pu vous proposer ça. J'espère que ça vous a plu. Hein. Je pense que vous avez fait des avances rapides. Hein. C'est pas intéressant de voir que des combats comme ça à la chaîne. Surtout que j'étais concentré les trois quarts du temps, donc je parlais pas spécialement. Je disais juste à haute voix ce que j'étais en train de faire. Mais voilà, je suis vraiment satisfait, c'est cool. Là, il nous montre quoi les starters ? Ouais, je pense. Je rêve, il y avait marqué Super Mario Club. Il est minuit 45. J'ai la dalle. J'ai vraiment la dalle. Je sais pas si on se trouvera un jour nouveau sur un Pokémon, hein, sur une aventure comme ça. C'est quand même vraiment, vraiment, vraiment répétitif. Donc je sais pas si j'aurai la force de recommencer tout ça. Faut jamais dire jamais. Toi, dites-moi si vous, ça vous a plu de voir un jeu de ce type sur la chaîne. Ça reste un RPG. Hein. Donc, le second après Secret of Mana. Il y a Chrono Trigger qui me fait de l'œil depuis un moment et je sais pas, peut-être que je vais le refaire un jour. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos hein, sur Chrono Trigger sur la chaîne, enfin beaucoup. J'ai une vidéo test, j'ai la fin du jeu. J'ai le début du jeu et j'ai une période vers la fin du jeu par là. Donc j'ai déjà 4 vidéos sur Chrono Trigger, mais le jeu est tellement bon sur tous les aspects graphiques, musique, jouabilité. Scénario, il est excellent. Je crois que Chrono Trigger est vraiment devenu mon RPG préféré. C'est fou hein, de se dire ça quand même. C'est vraiment fou. Alors que je l'ai pas connu à l'époque, hein. Je l'ai pas fini à l'époque. Bon, on va rester ensemble jusqu'à la fin du générique. Puis ben, on se quittera là-dessus, gentiment. C'est-à-dire maintenant. Fin. Donc voilà, merci à tous encore une fois. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Évidemment, on ne fera pas la grotte avec Mewtwo, hein, vous l'aurez compris. Le but, c'était de devenir le champion de la Ligue. On est le champion. Ah, c'est pas encore fini ? Game Freak. Donc on repart du début. Enfin, c'est le démarrage du jeu, je crois. Donc voilà, allez. Foutez-moi le camp. Ciao tout le monde.